Voilà, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Désolé pour le grand silence. Troupe de guerre de l'Éternel a dirigé en même temps, vous voyez. Et juste pour t'annoncer le grand culte de ce dimanche à partir de 7h30 à la Bire. Ne manque pas. Nous serons là très nombreux venant chercher Dieu. Et je pense qu'il y a un message qui doit redonner de l'espoir à ta vie. Il faut que tu sois absolument présent. Toi et ta famille, bien sûr. Il y a un message pour toi, il y a un message pour ta famille, pour ton fils, pour ta fille, pour ta femme, pour ton mari. Le Seigneur doit nous introduire dans une autre dimension. Nous sommes à l'horizon de nouvelles choses, de nouvelles grandes choses que Dieu est sur le point de faire. Pour les hommes spirituels, ils comprennent les choses qui s'annoncent dans le règne de l'esprit. Donc, soyez très nombreux pendant ce dimanche et que le Seigneur nous bénisse pour tous mes enfants qui sont connectés en direct. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Merci pour tous ceux qui croient en mon ministère, pour ceux qui me soutiennent dans la prière, pour ceux qui croient en ce que le Seigneur a mis en moi. Et que Dieu vous bénisse. Et aussi pour ceux qui sont nos partenaires, pour ceux qui croient en la puissance de l'offrande et qui envoient leurs offrandes, leurs dîmes, leurs contributions à tous les défis financiers que nous affrontons et auxquels nous sommes parfois confrontés. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Je déclare que vous ne manquerez de rien à cause de votre justice. Que Dieu se souvienne de vos offrandes pour vous surprendre en cette nouvelle saison. Désiré, dépose le téléphone, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Il pourvoira vos besoins, il vous amènera très loin. Qu'il soit le grand pourvoyeur pour chacun de vous. Qu'il soit une source de bénédiction pour vous, l'exaucement à vos prières, la consolation de vos cœurs. Que sa grâce, son amour, sa faveur soit sur vous. Je bénis vos affaires, je bénis vos entreprises dans le nom précieux souverain de Jésus. Nous sommes en train de préparer aussi un grand programme du côté du foyer Banjoun pour la semaine prochaine. Ce sera une grande rencontre où la main de Dieu agira en notre faveur. Donc ne manquez pas ce grand programme, mets-le aussi dans ton agenda. Et de même, l'Europe est en train de se préparer en fait. On est en train de travailler pour cela. Et jusqu'à présent, la date du 25 est maintenue. Jusqu'à présent. Voilà, si... J'ai dit que d'ici là, on a quelques difficultés, un changement, je vous le dirai. Mais ce qui est sûr, je serai en Europe à la grâce de Dieu ce mois-ci, à la fin de ce mois. By the grace of God. May the Lord bless you. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et je veux t'encourager à servir Christ. Le monde est devenu périlleux pour nous. Le monde dans lequel nous vivons est très dangereux. Il y a tellement de dangers, mille et un dangers autour de nous. Il faut être fort pour maintenir le cap, pour garder l'objectif et courir droit vers la destinée que le Seigneur nous a donnée. Il y a de grandes choses devant et pour cela, ça nous demande beaucoup de concentration. Le prix à gagner est plus grand que le prix à payer pour les combats que nous sommes en train d'affronter et d'endurer. Donc sois fort, demain sera meilleur. Je vois un soleil devant ta vie. Et ce soleil, personne ne l'empêchera de se lever. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. J'ai prié. Amen. Shalom.